Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons ouvrir, comme vous voyez sur ma table, deux boosters, un lumière interdite et un ultra prisme. J'ai acheté ça il y a 10 minutes à mon centre commercial. Je voulais vous faire un petit VS qui va gagner entre ultra prisme et lumière interdite et SL5 contre SL6. J'ai pris un booster de chaque au hasard, on verra bien. Mais avant l'ouverture, comme je vous les avais dit, je vais tirer au sort le ou la gagnante. Mais bon, là, c'est la gagnante. Et même, il y en aura deux, parce que j'en ai deux. Et comme je ne vais pas les garder, je vais m'en débarrasser. Et sur ma dernière vidéo, j'avais ouvert 5 boosters ultra prisme. J'avais dit redonnez-moi votre participation pour la boîte Dracofeu. Et vous étiez que deux à me la redemander. Et je vais dire les noms des deux gagnantes. Pardon, des deux gagnantes. La première, c'est AK Pokémon. Félicitations à toi. T'en gagnes une. Et la deuxième gagnante, ou gagnant, je ne sais pas avec le pseudo si c'est un garçon ou une fille, c'est Tata. Alx, on va dire Tata Alx. Voilà, félicitations à toi. Donne-moi par MP ton adresse postale que je t'envoie la box. Et pour toi, AK Pokémon, je vais essayer à retrouver ton adresse. Sinon, toi, fais pareil. Envoie-moi aussi ton adresse au cas où si je la retrouve pas. Au moins, ça sera mieux. Voilà, félicitations à vous deux pour la boîte. Sinon, on revient sur les boosters et j'ai envie de vous faire un petit bonus. Voici, à la fin des deux boosters, quel je vais ouvrir. J'ai envie d'ouvrir un Génération. J'ai jamais ouvert. J'ai envie d'en ouvrir une. C'est pour célébrer les 20 ans de Pokémon. Voilà. Sinon, n'oubliez pas, j'ai toujours des boosters en vente sur mon site internet. Je le remettrai dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Je vais simplement prendre un ciseau pour ouvrir les boosters. Voilà. C'est fait. Désolé si je suis pas... si je vous fais pas trop de vidéos ces temps-ci. C'est qu'avec mon boulot et les travaux que je suis en train de faire, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais bon voilà, c'est quand je peux, je vous les fais. De toute façon, le mois prochain, il y aura la suite de Dragon Ball Super, la série 2. Je vais bientôt acheter le display de la série 2. Je vais vous ouvrir ça aussi. Je vois que la première vous avait bien plu. Et voilà. Sinon, on va faire la petite VS, et ça, c'est le petit bonus. Voilà, on va mettre ça là-bas. C'est pas grave si vous ne voyez pas. On va commencer par le booster Giratina d'Ultra Prisme. Allez, c'est parti. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Allez, je vous donne les codes. Tenez. 1, 2, 3. Hop. On enlève, c'est une énergie feu. Et on va commencer. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Magneton. Gouroutan. Godrive. Manglouton. Rapion. Pachelizzo. Wistikram. Roselia. Archéodon, pardon. En reverse et type 0 en rare. Bon bah on n'a rien sur ce booster. Maintenant il va se battre contre Zygarde de et celle de 6. Lumière interdite. Désolé, j'avais un petit trou de mémoire.
Le code, le voici. 1, 2, 3. Hop. Une énergie combat. Et on reprend avec un petit ou pas. Le petit juge. Magnéton. Gritnote. Nœud neuf. Mucuscule. Ou minuscule, comme vous voulez. Grélasson. Monopale. Le nœud neuf en reverse. Et. Golgopat en rare. Bon, comme c'est deux rares, par les PV, on va dire, c'est Golgopat qui gagne. Dites-moi dans les commentaires entre les deux qui vous verrez gagnant. Là, par les PV, moi je dis que c'est lui, mais bon, après, chacun sa préférence. Type 0, je le connais pas. Personne, comment dire, dans le jeu. Et Golgopat, hein, je le connais pas non plus, mais bon, je trouve que lui serait plus fort que type 0. Mais dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir pour vous qui, entre les deux, qui vous choisirez gagnant. Voilà. Et mon petit bonus, un booster de génération, un booster de 2016, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça va être la première fois que je vais en ouvrir. Je sais pas s'il y a, comment dire, une manip à faire. Je vais faire 1, 2, 3. On verra bien ce que ça donne. Et on commence avec un joli cube buto de quai. Mélodelphe. Lem. Le rhinocorne qu'on a vu tout à l'heure, que je trouve magnifique quand même. Sac de nœuds. Ramolos. Je dézoome un petit peu quand même. Voilà, pour vous faire voir quand même la carte. Le petit Miaouss qui est dans le désert. On est à la reverse, ça veut dire que la rare c'est celle-là. Comme ça, on va la voilà. Oh, ah bah non, désolé, je me suis trompé. C'est le Léviator, regardez, il est en rare. J'ai mal fait ma truc et c'était Floette. Ah ouais, d'accord. Ah non, ça, j'avais raison alors. Mais elle est jolie quand même celle-là. C'est Nolo quand même, mais dites-moi dans les commentaires pourquoi c'est une peu commune, mais c'est pas marqué pareil que les autres. Ici, on a 50 sur 83, mais là c'est marqué RC18, RC32. Dites-moi ce que ça veut dire dans les commentaires. C'est la première fois que j'ouvre ça, mais je trouve qu'elle est très jolie. Tac tac tac. Bon, désolé. Hop là. J'ai oublié de prendre une protection quand même au cas où. Voilà. Je la trouve magnifique, alors je peux la mettre dans sous protection. Je pense que je la mettrai en vente sur Prince Minister, c'est pour ceux qui la veulent. Et voilà. Tac. Mais quand même, je trouve que même le Mélophile est joli en reverse. Voilà, on va refaire la récap quand même. Type 0 d'Ultra Prisme. Après Golgopat
sur SL6, le Léviator de génération, pardon, qui est magnifique quand même, même si c'est qu'une rare, et la Floette qui est en holographique, le haut avec ici on voit comme aussi en holo, voilà, que je trouve quand même magnifique. Je vais me renseigner quand même sur internet là, mais bon voilà, elle sera en vente quand même. Et si vous voulez, le Léviator aussi, je le mettrai en vente. Voilà. Bah, sur ce, encore félicitations aux gagnantes pour les deux box Dracofeu. N'oubliez pas de m'envoyer vos adresses par mail. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine ouverture. Je ne sais pas ce que ça pourra être, si ça sera une ouverture coffret ou de booster. J'ai déjà ma revanche à faire aussi contre Ambroisier et Tiber. Je pense que cette vidéo elle sera après celle-là. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et de partager ma vidéo. Merci. Au revoir.